هنا في لاكول نوار أو حقول الزهور التي تعود لدار كريستيان ديور في مدينة غراس جنوب فرنسا، وهي عاصمة العطور العالمية، المكان الذي يضم معظم حقول الزهور في فرنسا. سنتعرف من خلال هذا التقرير الذي سيصور على مدى أشهر على تاريخ العطور فيها وكيف تمر بمراحل مختلفة من قطف الزهور إلى تصنيعها وصولا إلى مرحلة تقديمها إلى الزبائن. هيا بنا لنشاهد. دخلنا وبشكل حصري لصباح العربية إحدى المزارع التي تزرع فيها الورود المستخدمة في صناعة عطور ديور المختلفة. Roses que l'on cultive ici, elles portent plusieurs noms. Son nom scientifique, c'est Rosa centifolia, mais elle s'appelle aussi rose de mai. Et elle s'appelle rose de mai parce qu'elle est en fleur uniquement en mai, pendant à peu près 4 à 5 semaines. Et puis le reste du temps, eh bien, les buissons sont ouverts, mais la fleur n'est pas là. C'est un feu d'artifice qui dure très peu de temps. Notre métier à nous d'agriculteurs, il commence après la floraison. Le moment de la floraison, c'est presque le moment de la récréation pour nous, parce que la cueillette, c'est un travail qui, ma foi, n'est pas si fatigant que ça, ça dure très peu de temps. Par contre, il faut prendre soin des plants toute l'année, il faut travailler le sol, enrichir le sol. Ici, nous travaillons sur à peu près 3,5 hectares de terre et nous avons en terre quelque chose comme 12 000 rosiers. La rose est utilisée dans beaucoup de parfums. Notamment, c'est là qu'elle est vraiment mise en valeur, dans Miss Dior et puis dans la colle noire. C'est super, c'est génial. Ah oui, comme ça. في خمسينيات القرن الماضي قرر كريستيان ديور شراء هذا البيت الريفي ليقضي الكثير من وقته بين حقول الزهور في فصلي الربيع والصيف، والعمل على أفكار لصناعة عطور جديدة بعيداً عن عالم الأزياء هناك شمالاً في باريس. Si Christian Dior décide d'investir autant d'énergie, de passion, puis d'argent aussi pour ce beau lieu, c'est parce que la famille Dior, du moins son père et la jeune Catherine Dior, ainsi famille Dior vient s'installer ici dans l'adversité, et Christian Dior vient régulièrement visiter sa famille à Callian. Et à un moment, quand il devient riche, célèbre, il a envie de racheter ce joli château pour rester près de sa sœur, près de l'endroit où toute sa famille est venue. Peut-être le plus beau cadeau qu'un frère peut faire pour sa sœur, c'est lui dédier un parfum, un bouquet de fleurs éternelles. Catherine Dior s'est engagée pendant la guerre pour son pays, et elle a été arrêtée, elle était dans un mouvement anti-nazi. Elle a été arrêtée, elle a été déportée, elle a beaucoup souffert, et quand elle est rentrée de camp de travail après-guerre, son frère, au moment où il va créer sa première collection de mode et en même temps son premier parfum, il cherche un nom et il le dédie à Catherine. C'est elle, la Miss Dior, donc c'est elle qui est derrière ce fabuleux parfum. وأصبح عطر ديور يواكب أهم الفعاليات العالمية كمهرجان كان السينمائي، فمعظم نجوم الفن السابع يقصدون متاجر العطور قبل صعود السجادة الحمراء.
أصبح عطر ومكياج وقطع أزياء كريستيان ديور جزءاً أساسياً من حياة الكثير من النساء العصريات حول العالم، والتنسيق بين مختلف تلك العناصر هو بمثابة عمل دؤوب يحتاج إلى أشهر من التخطيط والتنسيق والرؤية. C'est Marie Grazia qui donne un sorte de brief, tu vois, un brief où elle raconte sa storytelling, où elle envoie une image de référence. Et nous, moi, dans mon rôle de chef cabine maquillage, Guido pour la coiffure, Michel Gobet pour la musique, Betac pour le décor, tu vois, on est tout là pour compléter sa vision. لصباح العربية ليث بزاري فرنسا.